laquelle? You don't have three? Yeah. Mango. Ça pique? Les poupettes, ils sont en train de péter un plomb, ça y est, ils veulent rentrer. Ils en ont marre. Je crois que je vais les emmener à la piscine, il est 17h là. Je crois que je vais les emmener à la piscine, je sais pas, ils en ont marre. Allez les poupettes, c'est la plage, on rentre à la maison. J'hésite à les emmener à la piscine ou pas. Alan il m'a appelé, les filles, m'a dit mon amour, ça va, t'es où? J'ai dit j'arrive. Tu vois, en fait quand elle mord pas, il est mangé. Attendez, laquelle a pris l'eau? J'ai dit ça marche pas. Il m'a dit ouais t'es où? J'ai dit bah j'arrive là. Mais faut pas être gros problème de dernière minute qui vient de se poser et mes cils et je les emmène partout les filles. Alors en fait le mec de la décoration d'anniversaire à Céana dimanche, il est venu pour voir un peu les lieux et tout. Même si j'avais envoyé des vidéos et tout, il est venu. Et du coup il est venu voir la salle. Et en fait le mec de la réception il l'a bloqué et il lui a dit par contre vous avez pas le droit de ramener du matériel et tout, faut faire une demande. Je viens d'apprendre ça à 2 jours. Genre j'ai réservé la salle. J'ai fait la demande sur Emar et tout pour réserver la salle. Et là apparemment il y avait une demande pour apporter du matériel. Ça s'appelle un permis. J'aurais quoi un permis. Et je suis à J-2, je l'ai pas. Voilà. Et vous faites aujourd'hui. Mais vous faites aujourd'hui, j'ai un prince qui va vous faire trop plaisir. Alors, est-ce que vous trouvez belle ma princesse? Tends-toi, la plus belle du monde. Regarde-moi, trop belle, mon amour. Tu sais que t'es belle? Par contre, je suis un peu déçue et fâchée, les filles, parce que c'est pas la robe que j'avais choisie. J'ai choisi une autre pour ce soir et je voulais qu'elle la garde, par exemple, pour un mariage, pour un truc comme ça, et elle veut mettre ça pour le restaurant. Elle a pris son sac Barbie Girl. C'est quoi ton sac, Barbie Girl? Non, pas. C'est quoi, la Reine des Neiges? Pas. D'accord. Aussi, c'est la Reine des Neiges. Super. Regardez-moi cette beauté, mes poupettes. Les chaussures? Alors, moi, comment t'es habillée? Un petit jean, un petit haut. La coiffure? Mais c'est qui a fait cette coiffure? Maria. Faut lui recoiffer un petit peu. T'es prêt? Regarde-moi. Regarde-moi un sourire. Oh là 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 là, c'est magnifique. Bon. Magnifique. Oui, t'es magnifique. Alors, je me prépare les filles vite fait. On va se faire un petit resto avec nos amis. Ça y est, ils ont voilà 6h du matin cette nuit. Peut-être que les migraines, c'est le manque de sommeil. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que ça peut être. J'ai mis un petit jean comme ça, voilà. Avec un petit haut. Non, mon amour, maquillage, c'est pour les occasions, les anniversaires, le rite, tout ça. Sinon, non. Alors, je voulais vous dire. Tout à l'heure, j'ai eu quelques mauvaises langues qui m'ont dit « Ouais, tu laisses ta fille avec un briquet, des bouteilles, etc. » Mes poupettes, le briquet, il était sans gaz. Déjà, il a été vérifié avant. Ma fille a fait ses découvertes à la plage. Elle attrape des petits coquillages, elle attrape des petits bouchons de bouteilles. Ça fait quoi, s'il vous plaît? Je le faisais quand j'étais petite. Le briquet, il est terminé, il n'y a plus de gaz. Donc après, il y a quoi? Parce que des trucs comme ça, je reçois, ça m'énerve, en fait. Parce que... Enfin, je suis une maman responsable quand même. Je suis une maman très responsable même. Est-ce que je suis une bonne maman, ma fille? Trop bonne maman. Voilà, ça, la vérité sort de la bouche. En ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de migraines, mes poupettes. C'est infernal. Beaucoup voilà. De migraines, des poupettes. C'est vrai? Beaucoup de migraines. Tu veux leur parler? Par contre, c'est pas parce que maman l'est occupée à parler que t'as le droit de te maquiller, ma fille. Hein, mon amour? T'as pas le droit de te maquiller, tu le sais? Pose-moi ça tout de suite, t'as une robe toute blanche, toute belle. Tu vas être toute tachée avant de sortir, ça va pas être joli. Je vais sécher mes cheveux après avec vous. Vous allez voir, ils vont être sublimes, je le sais déjà. Je le sens à la douceur et tout. En fait, c'est une eau coréenne, les filles. Quand je fais un brushing et tout, c'est ça que je mets. Vous avez vu la soie que ça fait, les filles? Tu touches à rien, mon cœur. Tu ne touches à rien, ma princesse de ma vie. Donc, c'est Anna, elle avait son anniversaire avec l'école. C'était mes poupettes le 21 juin.
malheureusement, le 21 juin. Je vais faire mon anniversaire Vaiana. Oui, mais ton anniversaire. Oui, ah, c'est vas-y, dis-leur c'est quand ton anniversaire Vaiana, parce qu'elles sont... elles savent pas, elles sont pas encore au courant. Vas-y, dis-leur. C'est demain, la sieste. Voilà. Après la sieste, c'est le week-end. Et je vais faire mon anniversaire. Et tu t'as invité qui? T'as invité des poupettes ou pas? Oui. Ah ouais, qui? Les poupettes. Non, c'est pas vrai, tu les as pas invitées. Dis que t'as invité tous tes copains d'école. Tous tes copains. Mon amour de ma vie. J'ai trop hâte pour elle, ma petite vie. J'espère que ça va bien se passer dans la résidence, que les voisins ils vont pas trop se plaindre. J'espère pas, il y aura beaucoup de monde. Je vois déjà les réflexions, mes poupettes qui me disent ouais. Oui, mon amour, mes poupettes, je vois déjà les réflexions qui vont me dire t'as fait un vieil anniversaire à ton fils, t'as pas fait pareil pour ta fille et tout. Alors, Cali, je l'ai fait d'un amour, avec amour de mon amour. Mais si mon fils, mes poupettes, il a pas d'amis, qu'est-ce que je peux faire si mon fils n'a pas d'amis? Il est bébé, il est jeune. Du coup, c'est Anna, elle a tous les copains d'école, tout le monde l'invite à chaque fois et tout. Je suis obligée d'inviter tout le monde. Et vous avez vu les anniversaires qu'ils ont fait, mes poupettes? On peut pas faire un petit anniversaire avec mon buffet et tout. Merci, mon amour. Avec mon buffet 3 burgers en bas de la maison. Cali, c'était ok. Attendez, je rigole en même temps, donc je fais n'importe quoi. Cali, c'était ok la kermesse des nannies, mais pas bon. Non, est-ce que t'as lavé la brosse, mon amour? Non, ma fille. Attendez, j'ai fait n'importe quoi, les filles. Donc, c'est Anna. Je vous préviens d'avance, ça va être un grand anniversaire. En fait, let's go. Je voulais mettre des petits bijoux quand même. C'est un petit... Regardez déjà la brillance de mon cheveu, mes poupettes. C'est vraiment une révolution coréenne. Elle est incroyable. Là, je l'aime trop. Je l'aime trop, trop, trop. Vous avez vu comment ça a défini les boucles et tout? Par contre, les filles, je vous jure que ça va être utilisé avec modération, parce que si vous le faites genre tous les jours ou toutes les semaines, ça n'aura pas le même effet. Vraiment le faire genre une fois par mois et tout, ça vous fait briller vos cheveux, ça les rend magnifiques. Attendez. Bon, mes poupettes, j'ai pris... Oula, attendez. J'ai pré-séché. Regardez. Regardez la brillance que ça fait à mon cheveu. Alors, bougez pas, vous êtes où? Vous êtes là. Regardez, les filles. Ils sont pré-séchés, hein, ils sont encore mouillés. Ils sont d'une... Les filles, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ils sont d'une souplesse. Genre, ils sont vraiment très, très, très soyeux. Genre. Je suis amoureuse. Ils sont tout soyeux, tout doux. J'aime trop. Ils sont tout brillants. Je sais pas si ça se voit, mais ils sont... Mes poupettes, regardez, hein. Ça parle de... Les filles, je viens d'aller... Il voulait laisser Calice dormir ici, les filles, alors qu'il s'est habillé, s'est préparé pour le resto. Je dis non, mais... Mets-moi mon fils dans la poussette, mon amour. Repose-toi, ma vie, repose-toi dans la poussette, mon amour. Allez, viens.